À l'avant, un bâtiment bioclimatique en bois. À l'arrière du restaurant, deux paraboles essentielles au présage dont les cuisines fonctionnent au solaire. Vous voyez, quand on tourne, on voit qu'il y a de la lumière qui est concentrée un petit peu là-bas. Et donc toute la lumière va aller dans le miroir. Et si jamais je vais de plus en plus, ben on voit que de plus en plus, ça concentre la lumière jusqu'à un endroit où en fait c'est tellement concentré qu'un bout de bois va s'enflammer quasiment instantanément. Le bois n'est qu'un exemple. C'est la lumière concentrée qui va directement chauffer la plaque. Et ça marche. Il a fallu 10 ans pour mettre au point ce prototype unique en Europe. Le chef, en pleine préparation des garnitures du midi, a dû s'adapter. C'est une plaque, un type de fourneau classique. Donc c'est une plaque coup de feu sur laquelle on va au centre. Vous allez avoir, vous voyez un petit peu la démarcation, un feu qui est très fort. Et plus on va sur les côtés, moins le feu est fort. Donc si on veut régler la température, on va tout simplement déplacer nos ustensiles selon là où on veut que ça chauffe. C'est vraiment un outil qui nous permet d'avoir plusieurs gradients de température et de pouvoir faire plusieurs préparations, qui nous permet de sublimer les produits qu'on a dans notre région. L'idée, maîtriser son énergie tout en travaillant une cuisine de proximité. À Marseille, clairement, c'est le soleil, l'énergie la plus disponible. Donc voilà, ça a été le lien pour se dire, on va cuisiner avec une énergie locale, des produits locaux. Bientôt, la seconde parabole alimentera aussi le four. On pourra alors dire que Marseille est la première ville à posséder un restaurant entièrement solaire.